Monsieur Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors, une saison s'achève, une saison 2012 qui s'achève, donc la rentrée septembre qui s'annonce. Une saison politique mouvementée. Quelle est votre analyse sur les principales échéances qui ont eu lieu durant cette saison, notamment les présidentielles et législatives? Quel est votre point de vue sur la situation locale? Ça reste quand même des élections de portée nationale, donc la correspondance avec le local n'est pas évidente à faire. Ceci étant, bon, le constat fait par tout le monde, c'est que nous sommes arrivés à une situation où le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Bien sûr, la correspondance est considérée que localement, c'est également le cas et que les choses pourraient être totalement verrouillées. Je pense que la contrepartie immédiate à trouver à cette situation, c'est d'organiser les contre-pouvoirs tels que la gauche elle-même le souhaite. Et donc, il y a une nécessité à ce que la société civile, dans laquelle je suis particulièrement impliqué aussi, eh bien, soit en situation de se faire entendre, prendre en considération ses buts et objectifs dans un certain nombre de domaines. Et je pense que la prochaine séquence, pour moi, et par rapport à ce qui est la réforme territoriale, ça sera la mise en place de l'intercommunalité et certainement à l'échéance du 1er juillet 2013. Alors, comme nous, vous avez analysé les résultats des législatives en 2012, donc Daniel Goldberg largement devant dans le canton nord de la ville, bien sûr largement devant en Bondy, très peu battu, de très peu, donc dans le canton sud de la ville et au pavillon sous bois. Selon vous, quelle est votre analyse sur ce résultat qui peut paraître surprenant, puisque Gérard Gaudron était le député sortant, donc il avait une certaine notoriété à défendre, et finalement il s'est fait battre assez sèchement par son adversaire socialiste. Bon, je confonds jamais ce qu'est notoriété et image. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à contre-courant de ce qui s'est passé en faveur de la droite en 1993, à savoir qu'il y a un mouvement qui amplifié de l'élection présidentielle qui a amené à donner une majorité au président Hollande, de telle sorte qu'à la limite, ne soit pas dès le départ d'un quinquennat dans une. Ça dans une. Voilà, je cherche le nom mais je ne trouve pas. Un mouvement de pendule, vous voyez, entre la droite, la gauche. Non, immédiatement dans une cohabitation. L'esprit de la 5e République n'est pas la cohabitation. La cohabitation est assurément quelque chose qui est hors cadre, qui était une possibilité. Elle a eu lieu, elle n'a jamais eu lieu en début de septembre, où un certain nombre de présidents de la République ont d'ailleurs dissous l'Assemblée nationale pour faire en sorte d'avoir une assemblée qui leur soit favorable et qui leur permette d'appliquer leur programme. Alors, quand même, lorsque l'on regarde les résultats des sous-bois, donc 56, quasiment 56% pour Daniel Goldberg et 44% pour Gérard Gaudron, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous pensez qu'en 2014, votre contexte, je vous l'accorde, Gérard Gaudron serait toujours le candidat le plus à même à battre Gérard Segura, ou est-ce que vous pensez que ce n'est plus le cas aujourd'hui? Votre analyse sur la situation? Alors, le problème des résultats, c'est aussi que c'est une circonscription qui a été modifiée, dans laquelle la moitié, un canton de Bondy a été rattaché à cette circonscription, puisque le redécoupage a amené à ce que la circonscription soit pas uniquement celle de l'Aulnay-Pavillon-sous-Bois. Et ça a son importance. Si on prend que les résultats de sous-bois, donc dans cette législative, oui, on voit quand même que Daniel Goldberg est largement devant, avec le 55%. Donc, si je change un peu la question, est-ce que, pour vous, quelle serait la personne la plus dangereuse pour Gérard Segura en 2014? Vous, de votre point de vue, vous qui êtes bien ancré dans le milieu associatif, qui êtes conseiller municipal, qui rencontre pas mal de personnes, est-ce que vous avez pour vous, pas une préférence, mais vous voyez quelqu'un capable de battre Gérard Segura en 2014, ou est-ce que vous pensez qu'il est imbattable? Mon analyse, c'est plutôt qu'on arrive en 2014 dans une situation de programme contre programme.
le problème des hommes, je ne vais pas dire qu'il est secondaire, mais il n'est pas forcément primordial. Ceci pour dire que les hommes qui composent aujourd'hui la droite ne sont pas dans une situation d'unité qui en fait laisse à penser qu'il y en a Gaudron d'un côté, Chaussin de l'autre, pour ne pas dire Catarozzo, qui ne se posent pas des questions de leur avenir personnel. Les uns et les autres ont des âges qui ne sont pas canoniques, mais qui ne sont pas, pour les deux premiers cités, de première jeunesse. Le troisième est un peu plus jeune, et c'est parce qu'on est jeune, mais immanquablement, ça donne une capacité à rassembler. Ce rassemblement, pour la droite, ses chances de victoire éventuelles, ça sera effectivement son unité sur un programme, et malheureusement trop souvent sur une forme de rejet de ce que les socialistes ont fait sur le plan national, de ce qu'on va arriver à apporter, parce que ça aussi c'est propre de l'alternance qui fait qu'au bout de deux ans de pouvoir, eh bien, tous les gens qui ont voté aujourd'hui pour Hollande et pour Goldberg se retrouveront peut-être sensiblement déçus par rapport non pas à ce qu'ils ont appuyé, mais à ce qu'ils ont espéré par rapport à ce nouveau pouvoir. Alors, une question que certains électeurs se posent, est-ce que vous serez sur une liste en 2014? Alors, pour l'instant, assurément pas. C'est pas un jeu les cachetiers, mais j'attends l'évolution de la loi sur la réforme territoriale. Aujourd'hui, cette loi, elle fait obligation aux gens qui ont des velléités de mettre en place l'intercommunalité de façon démocratique, de devoir s'inscrire sur une liste électorale fléchée de façon à ce que vous indiquiez préalablement avec vos partenaires de liste que vous avez l'intention d'aller siéger et de travailler dans l'intercommunalité. La loi, a priori, pour ce que j'en ai appris la semaine dernière, pourrait être revue par le branchure et pourrait amener à ce qu'il y ait un autre mode d'élection le jour même de l'élection municipale et qui amène à ce que des gens soient uniquement candidats à l'intercommunalité. Et dans ce cas-là, bien sûr, je pourrais presque vous répondre aujourd'hui, oui, je serai forcément de ce combat sur l'intercommunalité, parce que je trouve une nécessité absolue de ne pas créer une Europe des communes qui ne nous amène pas à faire prendre connaissance, en charge par la société civile, le monde sportif dans lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien, leur avenir dans une intercommunalité dans laquelle il ne faut pas que le monde politique, voire politicien, se charge de trouver des gens et des villes avec lesquelles nous allons travailler sans, je dirais, engager l'avenir de tout un chacun à leur corps défendre. Donc, s'il y a une liste séparée et une élection séparée, ma réponse est oui. Si le vote est commun, ma réponse est très incertaine. Très incertaine. Surtout aussi après, compte tenu de mon âge. Et aujourd'hui, vous vous situez encore à gauche, ou est-ce que, avec un peu plus de réflexion, vous pensez que vous orientez plus vers le centre, la droite? Parce que lorsque l'on voit vos relations avec Gérard Séguin, on ne peut pas dire qu'elles soient bonnes. On voit surtout que lors des différents conseils municipaux, il y a parfois une impression, pas d'arrogance, mais de dédain vis-à-vis de votre personne. On voit que Gérard Séguin est très agressif à votre rencontre. Ça vous fait quoi? Ça vous dit la gauche, finalement, c'est plus votre famille, ou c'est parce que c'est un homme? Et cet homme, donc Gérard Séguin, ne représente pas la gauche dans sa globalité à l'issue. Alors c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et si vous avez entendu ma dernière intervention au conseil municipal, ça a été pour préconiser et recommander à Gérard Séguin que lorsqu'il parle de démocratie sur cette ville, il s'inspire des préconisations de Daniel Goldberg. Ceci étant, je vous entends en parlant que Daniel Goldberg a quelques idées sur la façon de gérer une ville et une collectivité comme la nôtre, qui est quand même sensiblement de la façon autocratique où Gérard Séguin la gère. Donc j'en suis totalement à penser pour m'être retranché sur des valeurs qui sont beaucoup plus consensuelles, qui sont des valeurs républicaines, sur des valeurs que je voyais effectivement très longtemps incarnées exclusivement par la gauche, parce que je pensais que la droite en était dépourvue et détachée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des républicains dans tous les camps, et que sur ces valeurs de démocratie auxquelles je suis attaché, vous l'avez bien compris, président d'une association qui inclut le mot démocratie dans
extrêmement sensible, donc c'est quelque chose sur lequel je suis forcément extrêmement attaché. Et donc aujourd'hui, ma préoccupation n'est pas la droite, la gauche, par rapport à ces grands clivages tels qu'on voudrait ne pas nous en faire sortir. Monsieur Boulanger, merci pour cette interview.